Lors de cette 22e journée, le PSG et le FC Lorient se sont séparés sur un score de 0-0. Paris aurait pu perdre si la frappe d'Ayew avait atterri en dehors et non pas sur le poteau. Le PSG reste toujours 7e, Lorient toujours 0. Le FC Metz et Saint-Etienne font une très mauvaise opération, la très mauvaise, surtout pour Saint-Etienne qui rate l'occasion de revenir à hauteur de Nice. Le leader va lancer une distance, la Ajax ou le FC Metz, victoire 2 buts à 0 grâce à un but de Letalek et Edel Polpon en fin de match. Les Valenciennes sont toujours premiers. Lyon aussi rate l'occasion de faire le trou sur la zone rouge en comptant dans le nul à Bordeaux, un autre concurrent au maintien. Une défaite plutôt, d'un nul. Le Stade de Reims s'incline 3 buts à 0 grâce à un triplé de Cavani au 10e, 56e et 69e minute. La Ajax, lui, reste deuxième du championnat. Quand 3 et vient de triplé de Lemar, quand c'est un doublé d'Olivier Serra. Monaco Nice, un but partout, pourtant les Monégasques avaient ouvert le score. Bon, on se fait rejoindre dans les arrêts de jeu grâce à un but de Eric Botac. Sur finale, un partout, Nice reste cependant toujours avant-dernier. Le Valenciennes FC s'impose 2 buts à 0 face à Nantes, qui a beaucoup de mal à gagner ces temps-ci. Aidel Poipon pour le doublé. Sochaux 0, RC Lens 0. Sochaux reste 5e du classement, le RC Lens est désormais 9e. Et enfin, c'est la surprise. Guingamp s'incline 2 buts à 0 face à Bastia, fluidité dès la 2e. Et Mustapha Diallo contre son camp dès la 26e. Valenciennes occupe donc la première place au détriment de la Sagesse qui pourrait revenir sur ses talons, mais espère la deuxième place pour la deuxième fois de la saison. Le PSG lui reste 6e. Lorient lui occupe toujours la deuxième place, Nice est toujours avant-dernier avec ses 30 points. Saint-Etienne qui pourrait revenir à la différence de but. Bastia est désormais 15e, note désormais 14. Début de la 23e journée demain avec Lorient-Ajax à 20h30. Stade de Reims Olympique Lyonnais. Guingamp Toulouse, PSG Lens, Lille Sochaux, AS Saint-Etienne Monaco, Caen Nice, Metz Bordeaux, Bastia Guingamp et Valenciennes Lille.